Wesh les frérots, c'est Tonton Démonexion, j'espère que vous allez bien mes gros BG. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo les mecs que je ne pouvais pas ignorer. Après l'anniversaire de Nadim qui s'est très mal passé, donc voilà, avec sa chambre pas de patrouille, c'est parti un peu en sucette. Vous avez fait le pire cadeau de toute votre vie et de toute ma vie. Le destin fait les choses bien les mecs, il y a une séance de cinéma sur la Pat Patrouille. Et oui, le film Pat Patrouille les mecs, vous avez été 40 000 à m'envoyer un message. Emmène Nadim le voir, emmène Nadim voir le film Pat Patrouille, etc, etc, etc. Les gars, je ne pouvais pas ignorer vos messages. Je ne pouvais pas ignorer cet appel de la nature. Donc les mecs, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que je vais aller chercher Nadim à l'école, ok, tout de suite maintenant. Et on va aller directement pour le film de la Pat Patrouille les mecs. Je vais pas vous mentir, je sais pas comment il va réagir les gars. Est-ce qu'il va quitter la salle? Est-ce qu'il va péter les plombs? Il va le sentir avant et vouloir fuir avant, je sais pas les mecs, à tout moment la vidéo elle dure 5 minutes, on va voir, on y va au feeling, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous les mecs, moi je suis vos idées, ok, vous m'avez dit il faut que Nadim voit le film, on va aller le voir tout de suite les mecs, ok, là Nadim sort de l'école, on va vite tracer, on va vite aller le chercher, et si jamais les refs vous voulez qu'on continue encore cette blague sur la Pat Patrouille, et bah écoutez, vous m'exposez les petits pouces bleus, vous vous abonnez les refs pour atteindre bientôt les 400K, et puis on verra si la Pat Patrouille va encore nous offrir quelques petits événements comme ça les gars pour se régaler, c'est parti les mecs, vive la Pat Patrouille. Mais avant ça les frérots, je vais vous présenter le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous parler d'un jeu les gars qui va carrément révolutionner votre expérience, c'est Matchmaster. Vous avez peut-être joué à des milliers de niveaux dans d'autres jeux de ce genre, mais attendez de voir ce que Matchmaster a à vous offrir les frérots. En fait les gars, ce qui rend ce jeu si spécial, c'est son PVP, en fait c'est son 1v1. Plusieurs points que j'apprécie dans Matchmaster les frérots, c'est non seulement son côté amusant, mais avec ça également sa facilité de jeu. C'est super facile à prendre en main les frérots, et bien évidemment le multi les frérots pour pouvoir affronter plein de joueurs pour savoir si tu fais partie des meilleurs ou pas. Vous jouez en temps réel contre des adversaires du monde entier, et ce n'est pas un simple jeu. Chaque coup que vous jouez affecte également directement votre adversaire, ce qui signifie que chaque partie est une bataille stratégique intense. Les vrais matchmasters ne se contentent pas de penser à leur propre score, ils anticipent également les opportunités qu'ils créent pour contrer leur adversaire. Dans ce jeu, chaque étoile bleue que vous collectez alimente votre booster, tandis que votre adversaire collecte les étoiles rouges. C'est là que ça devient vraiment intéressant les gars. Vous pouvez donc utiliser ces boosters au moment opportun pour renverser la situation en votre faveur, réaliser des coups spectaculaires et déclencher d'énormes combos. Il y a plus de 15 super boosters à choisir, chacun ayant son propre style de jeu et son effet unique. C'est comme avoir un arsenal de stratégies à portée de main pour dominer le jeu. Alors assurez-vous de maîtriser ces power-ups et de devenir un véritable matchmaster. Pour télécharger le jeu les frérots, c'est très simple, le lien directement dans la description ou via les QR codes les frérots qui s'affichent directement à l'écran. De plus les frérots, si vous téléchargez Matchmaster via le lien directement en description ou en utilisant le QR code, vous recevrez un package piñata exclusif avec d'incroyables cadeau les frérots. Coucou. Salut mec. Salut. Comment ça va mec? Moi. Pourquoi t'es mouillé comme ça là? Nadim, t'as passé une bonne journée mec? Ouais, ça va. T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai eu A+. Ouais. T'as toujours A+ en fait. Ouais, regarde si j'y rigole. Ok, non, c'est bon, t'es sérieux. Ok, très sérieux. C'est bon, je te crois. Toi, t'aimes bien les mangas? Ouais. T'adores les mangas? Ouais. Il y a un manga qui vient de sortir au cinéma. C'est quoi? Je veux pas te le dire, c'est une surprise. Cite-moi 2-3 mangas vite fait. Il y a Naruto. Ouais. Dragon Ball Z. Voilà. Tenchuman. Jujutsu Kaisen. Voilà. Jujul. Non, Jujul c'est autre chose. Et les mangas de sport, est-ce que tu connais quelques mangas de sport? Il y a Inazuma Eleven, ça c'est facile. Ouais. Après, il y a celui qui fait du foot là. Qui? John. Olive et John. Ils sont toujours en forme. John, Olivier sont super entraînés. Olive et John, ils sont venus pour gagner. Ce que je te propose, parce que là tu pues un peu le caca frère, je sais ce que t'as fait. On rentre à la maison. Ouais. Tu te changes, tu te mets grave beau gosse en mode Gucci. Et on part directement au cinéma. On regarde le film et on rentre à la maison. Mais je te fais kiffer, c'est un bête de film. T'es chaud? On retourne au cinéma? Ouais. La dernière fois c'était un film nul, je crois qu'on est parti. Ouais. Là ça va être un film incroyable. Je suis tellement frais là. Veste Nike. C'est Nike. Eh hey mec, j'ai toujours posé une question. Comment les crottes de nez se forment? Parce que tu dois essayer de... Quand tu fais ça... C'est délicieux. Bah la crotte de nez, elle passe par là et après ça monte par là et ça fait ça. Et tu dois faire ça pendant toute ta vie si tu veux plus en avoir. En vrai. C'est une bonne question là, Jimmy, je sais pas. Demande, bah c'est quoi les abonnés? Répondez dans les commentaires les mecs, comment se forment les crottes de nez. C'est bon, t'es obligé de me filmer Nadim, c'est bon, c'est pas un sujet de ouf là, t'es là, tu prends la caméra on dirait. Bon les mecs, Nadim est parti changer. Donc pour l'instant le plan fonctionne bien, il se doute pas qu'on va aller voir ça. Ah, il est là les mecs. Mais qui c'est mec, voilà, je suis choqué. Vas-y, encore avec tes musiques bizarres là, éclatées là. Pourquoi t'as un sac?
J'ai mis mon portefeuille dedans, mec. Ok, mec. J'ai un petit problème d'argent. Ok, c'est jamais, t'as raison. Prévoyant, c'est un homme prévoyant. Nadim, vu qu'on a un peu d'avance, je te propose, je vais aller nettoyer la voiture, elle est un peu dégueulasse. C'est parti, direction, laver la voiture, ok, et ensuite le film, let's go baby. 1, 2, 3, partez, mais qui c'est, mais qui voilà, je suis choqué. Mais c'est... Alors, mec, t'as bien kiffé? Mais qui c'est, mais qui voilà, je suis choqué. Arrête d'écouter des musiques guest comme ça, je crois que vous êtes... Mais qui voilà, je suis choqué. Mais arrête, vous êtes 500 en France à l'écouter, donc arrête, écoute des musiques bien, Nadim, s'il te plaît, ok? Parce que ça, c'est pas possible. Laissez-moi tranquille. Arrête d'écouter ça, mec, arrête. Je... Bon, les mecs, je suis arrivé pour laver la petite voiture, ok? Ça faisait longtemps. Tranquille, on va laver la voiture, elle est vraiment dégueulasse, je vais vous montrer ça. Regardez les mecs, elle est dans un sale état. Là, on va passer un petit coup, ça va faire du bien. Les chats, ils ont défoncé la carrosserie. C'est Nadim qui khalas. Ah, j'ai que 3 euros. Les gars, heureusement que Nadim il a des pièces de centimes, sinon j'aurais pas pu laver. On peut qu'avec des pièces de 1 euro, 2 euros. Grâce à toi, on peut. Ouais. Tu restes dans la voiture? La monnaie. Oh, j'ai pris la grosse tête. Oh, faut que j'arrête. Regardez les mecs, on dirait qu'on est dans une machine à laver. Prenez un screen là. Screen. Les mecs, la voiture elle est bien propre. Ouais, grâce à Nadim. Grâce à Nadim, les mecs, c'était l'argent de Nadim, voilà. Moi j'avais pas de monnaie, heureusement Nadim les gars nous a sauvés, comme ça la voiture elle est bien propre. Piscine maintenant. Piscine maintenant ou pas? Ouais. Allez mec, c'est reparti, on prend la route les mecs. Let's go. En plaque Dior Dior. Mais tu dis n'importe quoi toute ta vie toi. Mais c'est... quoi? C'est en plaque Dior. En plaque Dior. En plaque Dior. Oui. En plaque. Non, en plate Dior. En plate. Plat Dior. Ah, en quoi? En plate Dior. Ah, en plate Dior. Oui, alors on sort. Ouais. En plaque Dior Dior. En plate Dior. Non, en plaque Dior. En plaque. En plat. En plate Dior Dior. Voilà, là, 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 il est chaud. Écoutez les mecs, là c'est la meilleure musique possible. Tu as gagné par cœur ou pas? Oui. Ok, vas-y, c'est parti Nadim. Enfin, je crois. Régale-nous. Ok, juste après. Attends. Pour l'instant, tu connais bien. Vas-y. Espèce d'arnaque, tu connais rien du tout, sale chien. Je connais que le reflet. Que le quoi? Je connais que le reflet, comme Joule. Que le reflet? Et c'est Joule. Refin, reflet. Il y a la police. Il y a la police, Nadim. Bah les mecs, on vient d'arriver. Là on se dirige directement vers le cinéma. Nadim, t'es prêt mec? Tu vas kiffer ton film mec hein. Allez, il faut que j'aille commander les tickets sans qu'il soit vers moi. Faut pas qu'il entende que je dise du coup à la caissière 2 tickets de pas de patrouille s'il vous plaît. C'est parti le sang. Ouais. On vient de prendre les petits billets, ok, tout est carré. Nadim, il est là, il est content. Est-ce que tu veux des petites popcorn Nadim? Cache. Mais t'es un ouf toi. Doritos pizza. Tu sais que t'as pas le droit frère. On n'a pas le droit de faire ça, gros. On peut acheter, t'as pas le droit, sinon tu fais virer. Bon, les mecs, le film il commence dans 10-15 minutes. Ok, on va aller tranquillement juste après. C'est parti, on va s'installer. Ça va être le début. Début de la fin, les mecs. Là, y'a personne, on va aller se poser tranquillement. Nadim, t'es prêt? Nadim, est-ce que t'es prêt? Plaisir. En fait, tu t'en fous, toi. T'es venu te bouffer. Devinez quel film on va regarder ou pas? Olivier John. Olivier John? En vrai, t'aimerais bien que ce soit Olivier John ou pas? Parce que t'aimes bien le foot. Ouais. Plus que 2 minutes. J'ai presque fini le paquet de chips, on est bien. On est bien. On est bien. Sur Deluxe de Chase, en mode super-héros. Puis monte à bord de l'avion. C'est quoi ça, Nadim? Et fais tourner ses ailes. Hein? Et tu as besoin d'être... C'est une pub, calme-toi. Après, on va aller prendre un truc à côté parce que là, j'ai 15 euros pour dépenser beaucoup de trucs à manger. Ok, en fait, tu veux juste manger, toi? Ouais. Ah. J'attends que tu sèmes la bagaille. Encore une petite bonne patrouille. Nadim, c'est juste la pub, calme-toi. C'est pour ça. Ça veut rien dire, ok? Les mecs, ça va bientôt commencer. Nadim, ça commence. Nadim, le manga. Dora l'Exploratrice. Qui? Dora l'Exploratrice. Dora qui? Le film a commencé, là c'est Dora l'Exploratrice. Je comprends pas trop, c'était pas ça que j'avais mis. C'est sûr qu'elle est marocaine. Amazing, let's go! Yeah! Le vrai film commence. Le vrai film commence. C'est parti. Attention Nadim, t'es prêt? Bon, la masterclass. Super patrouille. Je vais le chercher. Nadim, il est en train de bouder, les gars. Oh, merci. Vous allez bien, c'est l'essentiel. Il est pas content, les gars. Attends, Chase, tu as un trou dans ta tenue. Les mecs, en vrai, je suis en train de kiffer, moi. C'est pas mal. Dernière invention, le cap. Tu fais quoi?
fais quoi? Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Nadim, j'espère que cette nuit tu vas pas te faire arrêter par les flics. Imagine dans ton lit, t'es en slip et la police ils arrivent. Mettez des messages de soutien. Parce que quand Nadim il va être en prison, bah il va pouvoir lire que ça. Si Nadim il va en prison, les gars, je vous donnerai certaines de ses nouvelles. T'as un dernier mot peut-être à dire pour les abonnés ou pas? Au revoir les abonnés. Hein? Au revoir les abonnés. Au revoir les abonnés, c'est tout? Ouais. Bah dis autre chose, de toute façon je te reverrai plus du tout. Ciao les mecs, vous avez bien aimé. Ouais, au revoir, ciao les mecs, je vous ai bien aimé. S'il n'y a pas de nouvelles, vous saurez pourquoi. Mec, là on est revenu dans la voiture. Nadim, du coup, finalement, bah il s'est mis à respecter la loi, donc il s'est mis derrière parce que, en plus, il a pas 10 ans. Allez, viens, on y va. N'hésitez pas à lâcher les derniers pouces bleus, à vous abonner, les gars. Peut-être qu'on va atteindre les 400 000 abonnés avant d'aller en prison, je sais pas, j'espère. Faites des bisous, les mecs. Moi, c'est pas juste ciao, au revoir, hein, parce que peut-être qu'on se verra plus. Tu vas faire comment pour la suite? Et Nadim, en vrai de vrai, tu vas faire quoi en prison? C'est quoi ton projet pour la prison? Je rigole pas, là, frère. Je vais faire la musculation et je vais devenir stock. Vas-y, ciao, allez, oui. Adieu, Nadim. Mais qui c'est qui va finir en prison? Mais qui c'est qui va finir en prison? Et n'oubliez pas de télécharger Matchmaster grâce au lien dans la description ou avec le QR code à l'écran. Allez-y, foncez et que la meilleure stratégie gagne.